Oui, c'est Captain Mackenzie et c'est parti pour la 30e partie du Let's Play sur Pokémon version argent. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Hop là. La dernière fois, donc on était revenu sur cette route, la première route du jeu, avec l'intention de revenir à Evenel pour réaffronter les dresseurs qu'on n'a pas eu le temps d'affronter. Et voilà. Bon, l'entre-noir, je pense pas qu'on la fera. Je pense pas que ce soit très intéressant. Mais qu'est-ce que je fais? Pas ça du tout. Je voulais vérifier si j'avais des oiseaux. Dites-moi que j'ai un oiseau dans le PC. Léviator, tu peux pas apprendre vol des fois. Bah non, tu peux pas apprendre vol. Ça fait deux Pokémon de type vol que j'ai dans mon équipe qui ne peuvent pas apprendre vol. Alors, Nidorina, au PC. Magikarp, Sivular, Ratatak, Togepi, Nessie, Tarte, Nidorina, j'en ai pas. Bon, bah. Non, on va garder une place. Et on va rechercher un petit Zozio. Je sais pas, un Piafabec par exemple, ce serait pas mal. Eh ben dis donc, ça va vite la rencontre. Hoot, est-ce qu'il peut apprendre, lui, vol? On peut toujours tenter, hein. Ma foi. Balls, voilà. Tu veux vraiment que je t'attaque? Il veut vraiment que je l'attaque. Non mais... Putain, je veux attraper un Hoot niveau 4. C'est pas censé être difficile. Alors je suis à la fin du jeu. Ah, plus ça va, plus il veut pas, hein, c'est... Hoot, je te somme de rester dans ta Pokéball. Et ben voilà! Mon gars, t'as intérêt d'apprendre vol. Il a un sens de timing parfait, il reste toujours en rythme en balançant sa tête. Mais son corps sait sa tête. Sac. Hop là, vol. Est-ce que ça fait 3 Pokémon de type vol qu'ils ne peuvent pas? Si, il peut. Ouh. Et comme ça, voilà, je peux voler à Evenel. Bon bah on va reprendre Furisson. Non, Nidorina. Voilà. Tu as bien fait ton taf, Hoot. Un de ces quatre. Alors, j'étais passé à droite. Non. Oh le con, il faut du coup que je revienne à Evenel, sauf que je peux plus. Je me suis trompé de route. C'est ce dresseur-là que je voulais affronter.
Oh, le boulet. Bon, c'est pas bien grave. Ah, j'aurais pu éventuellement soigner les Viator, mais bon. Dommage. Ah, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Allez. On fuit vite. Ah, remarque, j'aurais pu essayer de le combattre. Alors, là, j'étais allé où? J'étais allé par là, hein. Voilà. Un spécial plus. C'est cool. Faudrait que je combatte un Pokémon de cette route, quand même, avec Lipoutou. Ouais, mais Gravalanche, c'est pas conseillé, hein. Je peux essayer de le combattre avec un autre Pokémon. J'aimerais bien la faire monter de niveau, quand même. Pimp. Toi, tu vas me faire des roulades. Enfin, tu comptes me faire des roulades. Nuance. Ah, ça, c'est même pas assez. Bon. Un rappel, pourquoi pas. Je l'ai affronté, lui. Non. Pourquoi j'aime l'escalade? Parce que j'aime la montagne. Pourquoi j'aime les Pokémon? Parce que j'aime combattre. On est parti! Firmin! La cuisine Firmin! La cuisine de demain! Topiqueur. Oh, Lipoutou est assez indiqué là par contre. Et je suis plus rapide. Pas mal. Ah oui, il me manquait vraiment 3 fois rien pour monter le niveau en fait à Lipoutou. Bien! Niveau 26! On avance. Triopika. Ah là, elle va gagner des points. Enfin. Normalement. J'aimerais bien. Mouais. Oh, le one shoot. Ça doit faire mal. Mais j'aime pas perdre. Oh, le mauvais joueur. Ok. On peut visiter par là. Moi aussi j'ai des Pokémon, ça te dit à beau combat? Ouais, mais parce que c'était trop faible pour moi, mec, en fait. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas affronté un campeur. Trop mignon. Donc, non, pas Férosinge, hein, trop mignon le fait de se battre avec un Férosinge niveau 17 alors que je suis quelqu'un qui a les 8 badges de Johto. Ouais, alors par contre, ça c'était pas très intelligent. Très bon. J'ai que des attaques qui sont pas très efficaces contre lui, mais bon. Toujours ça. Le grand campeur a perdu. Est-ce qu'il y a des objets au moins par... Oh, encore une dresseuse. Du muscle plus. J'ai trouvé un muscle, d'ailleurs. Ah, j'adore les Pokémon. Combat. Et je suis un pique-nique qui va attaquer avec un Eliatron. Oh. Ok, j'ai rien dit. Enfin, si j'ai... C'est pareil, hein, mais bon. Ça, c'est pas une bonne idée, hein. Ah, à mes souhaits, merci. On va laisser Ligator. Putain, j'en aurais épuisé les sœurs sur cette route. Je pensais qu'au pire, il y aurait qu'un seul dresseur affronté, pas deux, quoi. Sachant finalement, on a affronté que 3 Pokémon, alors que l'autre gong, là, il en avait 5. C'est soit on va encore avoir un ou deux dresseurs. J'espère pas. Ah non, on arrive à la fin. Mais il y a quand même des Pokémon sauvages. Rakaï au niveau 3. Je pense que tu peux le faire. C'est pas trop dur là, c'est bon, ça va. Mouais. Le truc c'est qu'il va falloir que je récupère Oud-Oud. Pour revenir à Ebenel. Pour battre le dresseur qui me reste à battre. Aider.
Si, je veux bien soigner par contre. Bien, direction le PC. Et je garde tout dans mon équipe cette fois. On stocke. Allez, bah on stocke encore Nidorina. On sait que tu aimes le PC Nidorina, on le sent. Out. N'empêche, quand je pense comment j'ai Osef, le professeur, mais le professeur m'a dit de venir le voir quand même. Je suis passé dans son truc, je suis allé sur son ordi et en fait, non. Osef. Alors. Cette fois, on va s'efforcer d'aller sur le bon chemin. C'est bon! Comment tu fais pour entraîner tes Pokémon? Je fais avec des gens comme toi. Ah, c'est un top dresseur, il y a des chances pour que ce soit une équipe assez diversifiée. Au carnage, ça c'est parfait pour l'équipe, tout ça. Et classe quand même au carnage sur ce sprite. Les photos d'où tu dépasses au carnage? Ouh, ça m'aurait pas plu ça. Ah, cette humiliation du Roucarnage. Electek. On va laisser les poutous, hein. De toute façon, j'ai pas grand chose qui me permet de battre un Electek. Tu te calmes. Ça m'arrange pas vraiment ça. J'espère le battre en un coup, mais c'est pas dit. Si, c'est bon. Bon, alors en un combat, Lipoutou a pas mal pris, hein, finalement. Tu es fort, bravo. Merci. Bon, bah, tous les dresseurs sont battus. Là, Pokémon, Out. Non, j'ai dit Out. Vol, Bourgeon. Et. Enfin, Bourgeon ou Bourgeon, je sais jamais comment dire. Parce que bon, le nom est inspiré du mot Bourgeon, mais. Quand même. Ah! Faut que je retourne Ville-Griotte. Parce que je ne veux plus Outou dans mon équipe. Bah. Pourquoi je me fais chier? C'est quand même pratique d'avoir vol. Quand Nosferatu évoluera, peut-être. Elle pourra prendre vol. Sauf que ça ne servira plus à rien. J'ai encore plein de Pokémon à faire évoluer quoi. J'ai quand même terriblement pas une équipe pour aller affronter la ligue. J'ai Lipoutou Léviator, ok. Mais le reste, ce sont que des Pokémon qui peuvent évoluer encore. Et pourtant j'ai les 8 badges. Là, on contourne. Et voilà. Proforme. Salut Kalten, mes recherches avancent, merci. Prends ceci en guise de notre amitié. Ah, là on cause. La Master Ball est la meilleure, c'est la Ball ultime. Elle permet d'attraper n'importe quel type de Pokémon. Elle est seulement attribuée aux chercheurs de Pokémon de talent. Je pense que tu en feras meilleur usage que moi, Kalten. C'est gentil. Je vais la ranger bien soigneusement dans le PC, mais c'est gentil. Bon, stocker. Alors, on va stocker quoi? Ah, la pépite, faudrait que je la revende. Bon, mais elle me prend de la place et je vais pas. Super repousse, super potion, rappel, antidote, ruban rose. Des brûlures. Glace éternelle. Non, glace éternelle, je garde. PP plus. Bouf. Bégel. Bouf. Crodragon. Bouf. Élixir. Bouf.
Des mystères. Non, tu pars. Bah. Spécial plus. Muscle plus. Bah. Retour. Ah. Oui, donc la glace éternelle, je voulais la faire tenir à Lipoutou. Remarquez le ruban rose, j'aurais pu le faire tenir à Evoli. Ouais, mais il attaque avec morsure surtout. Ah non, il attaque avec vive attaque. Bon, je vais faire tenir machin. Faudrait que je les exploite les objets un petit peu quand même. Ah ouais, mais je lui fais tenir la pièce rune déjà. Attends. Pierre dure. Renforce capacité type proche, ça me sert à rien. Graine miracle. Plante. J'ai pas de Pokémon. Plante. Agrume. Super bonbon. Antipara. Et payback pointu. Pour les capacités type vol, je peux le donner à. À Nosferalto. Huile, défense. Spéciale. Spec. Nanana, corde sortie, précision plus, muscle plus, B boule fumée. Non. B antidote, pépite, ruban rose. Allez, on va prendre le ruban rose aussi. Crodragon. Non, Crodragon, ça sert à rien, puisque de toute façon, la seule que attaque dragon que j'ai, c'est Dracorage. Donc, pas terrible. Voilà. Alors, bec pointu. Pour Nosferalto, ruban rose pour Evoli, qui tient déjà une pièce rune, on échange les objets, et on va faire tenir la pièce rune à Léviator, vu qu'il va quand même combattre un petit peu. Voilà. Nous sommes parés. J'espère juste qu'il n'y a pas besoin de siphon. Ah, Tentacool, ça fait plaisir. Presque. Hey, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de faire ton premier pas à Kanto. Regarde la carte de ton Pokématos. Ah. Là, j'étais totalement hypé à ce moment-là, quand même, en voyant qu'on arrivait à Kanto, parce que j'étais pas au courant quand j'étais gosse. Mais j'imagine bien le mec, en fait, qui attend juste de voir passer les gens pour leur annoncer « Hey, vous savez quoi? Vous êtes à Kanto !» On peut continuer par ici. Ou alors, on peut aller là-dedans. Dans les sushis. Les chutes Tojo. Sauf que. Ah putain, tout ça pour ça. Bon. Est-ce que j'ai pas la CS cascade sur moi là? Putain, il va falloir que j'aille à Ville-Griotte. Oh la chiantise du truc quoi. Super bonbon. Ça c'est un peu chiant quand même. Du coup il faut. Ouais il faut. Parce que j'ai pas envie d'apprendre cascade à. Ah, Léviator, je vais pas lui apprendre deux attaques haut. Encore qu'il a quoi d'autre? Exploitable. Il a quoi comme attaque déjà? C'est quoi sa deuxième? Morsure. Oh, allez, ça me saoule. Je vais lui apprendre cascade et puis comme ça, je serai débarrassé. Attends. Est-ce que je suis sûr de ce que je fais? Parce que bon.
S'il me faut siphon, il faut quand même que je retourne à Ville-Griotte. Bon, allez. Faites juste qu'il n'y ait pas de siphon, s'il vous plaît. Ok, l'agression directe. Ratatak. Alors. Ratatak va frapper sur le physique. Donc faut faire gaffe. Ok. Bon, par contre, ouais, bon, ça fait monter un petit peu quand même, si, hein, faut le dire. Alors, la cascade ou le truc? Bon bah. Oh, intéressant ça. Ça va me permettre de faire évoluer Nidorina. Contre Nidorina, est-ce qu'il y avait quelque chose que je voulais lui apprendre? Ah, je me souviens. Excusez-moi. En fait, je ne me souviens plus de ce que je voulais faire apprendre à Nidorina. Alors, poids sirène, on va fuir. Grimpe. Hop là. Oui, je veux utiliser cascade. Et bah là, je peux descendre en direct. Putain, tout ça pour ça en fait. Ah! C'est rare de voir quelqu'un ici, tu t'entraînes tout seul? Lucy Top Dresseur veut se battre. Lucy Top Dresseur envoie Bulle Bizarre. Et moi j'ai Licoutou, alors franchement, c'est un super match-up. Nickel, et Licoutou aura bien pris quand même en expérience. Si elle se trouve Herbiza et ensuite Floriza, franchement nickel. Si jamais je peux les battre tous les trois rien qu'avec Licoutou, ça va vachement la faire progresser. Ce serait super. Ah et non. Nidorina n'apprend plus rien d'intéressant. En glace, ça suffira. Elle apprend vraiment plus rien d'intéressant, Nidorina, après morsure, en tout cas. Alors, Floriza, va falloir faire gaffe. Licoutou n'est pas au meilleur de sa forme. Allez, point glace. Si vous pouvez faire un coup critique, ce serait super. Aïe, alors là ça va être compliqué. Aïe, aïe, non, putain. Ça, c'est pas juste. Bon, bah, Florisson, écoutez. Mais par contre, je tiens à... Ah! À réanimer. Je tiens à réanimer Licoutou. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà. Thank you.
ça, ça aurait pu lui faire gagner 1428 points d'expérience. Ça aurait été génial. Alors, j'ai trouvé une pierre lune que j'ai tout intérêt à utiliser maintenant. Enfin! Ah, ça c'est beau. Dites-moi que tu soignes les Pokémon. Les Pokémon, tes Pokémon sont assez confiants pour y aller. On va voir, soit à la hauteur ou ton périple sera de plus en plus difficile. La confiance devient tes Pokémon et les dresseurs. Et tu ne soignes pas mes Pokémon. Oh. À quoi tu sers? Oh non, t'es sérieux? Alors j'allais sortir de l'eau, je me fais attaquer. Oui, bah oui, je me doute que tu me vois. Tu m'as l'air bien fort. Combat! C'est bizarre, monsieur, quand même. Félix! Ce serait bien quand même de tomber sur un centre Pokémon d'ici peu de temps. Hein. Enfin, je veux dire, si jamais je veux changer d'équipe, il faut que je retourne à Ville-Griotte. Ça me paraît pas être une super idée. Et je pense que ça va être Nidoqueen qui va être la plus indiquée. Ah, c'est beau. Oh, mince. Boum. Bon, il va falloir relancer un truc. Oh, triste. Enfin, triste pour lui. Marest. Alors Marest, c'est peut-être... Marest. Contre Marest. J'en vois qui? Contre Marest. Marest. Marest, on va envoyer Voli. Écoutez, je sais pas. Il faudrait un Pokémon. Il faudrait une attaque plante. Sauf que j'en ai pas. Donc, Evoli, tu veux pas évoluer en Philali, s'il te plaît? Oh, le pouvoir du ruban rose. Putain, coup critique en plus. Bon, le temps qu'il fait des amnésies, je peux lancer des vives attaques. Hein. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Donc, nous allons envoyer notre Sphéralto, n'est-ce pas? De toute façon, a priori, je pense que j'aurai un switch gratuit. Marès va encore lancer séisme, non? Ouais. Parfait. Cruel. Et voilà. Fait que là, Evoli, va vraiment falloir que t'évolues, quoi. Je n'aime pas cette attaque. Putain, coup critique en plus, t'es sérieux. Neuneuf. Neuneuf, et ben on va envoyer Liputu contre lui. Parce que c'est un Pokémon plante. Oh, Liputu va monter de niveau là. Parfait. Puf. Très constructif comme... Oh non.
combat. J'ai pas fait exprès. Je voulais sortir des herbes. Ce sera le dernier combat, hein, je pense. Bonjour, Harry. Harry, top dresseur. Sablero, ça peut le faire, hein. Oh putain, eh franchement, Lipoutou, tu gères. Et tu gères tellement. Merci monsieur. Genre je me fais appeler monsieur. Mais c'est pas possible. Bon bah voilà, ça c'est vraiment le dernier. Le dernier combat de la vidéo. Tu veux te mesurer à la Ligue Pokémon? Bah je suis sur le chemin de la Ligue Pokémon justement. Oh putain, 3 Pokémon en plus. Feralto. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, Nas Feralto. Aïe aïe aïe. Oh, s'il me lance que des charges, ça va, hein, mais. Bon, bah nickel. Ce serait cool si t'évoluais d'ailleurs, Nosferatu. Moi, ça justifierait ce dernier combat. Girafarig. Pfff, Girafarig. On va envoyer contre quoi contre Girafarig? Et nul, Girafarig. Allez. Lipoutou, même toi, tu peux le battre, Girafarig. Enfin, je pense que tu peux le battre. Lui aussi, il peut te battre, d'ailleurs. T'es sérieuse? Bon. Où sont mes rappels? Non, en plus, elle était sur le point de monter de niveau. Donc, voilà. Mais non. Surf. Je peux lancer cascade aussi pour voir un petit peu l'animation. En plus, surf, ça met longtemps. T'es sérieux? Bon, bah, observons l'attaque cascade. Ah, ça fait vraiment penser à une attaque eau. Merci, Lipoutou. Niveau 30, ça y est. Léviator, bientôt niveau 33. Et on a un E9. Bah, ça sent encore du travail pour Lipoutou, ça. J'ai presque plus de points glace, mon dieu. Je le savais. Oh! 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 Bon.
Eh ben c'est cool. Du coup, la question que je me pose là tout à coup, est-ce que Nostenfer peut apprendre vol? Oui. Oh, c'est beau ça. Alors, vampirisme, j'aimerais. On va garder cruel hein, tant qu'à faire, parce que vampirisme, ça va vraiment pas nous aider maintenant. Oh, Nostenfer. Nostenfer a fait évoluer en Nostenfer. Génial. Bon, bah du coup, si jamais... Hop là. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter ou la partager. Si vous avez aimé l'évolution de Nosferalto, eh ben voilà, je viens de vous dire ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez être notifié de tous les let's play qu'il y a sur ma chaîne. La suite de ce let's play, ce sera lundi prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.